Bonjour à tous, c'est parti. Je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Avant toute chose, je ne vais pas vous demander d'ouvrir Photoshop mais de télécharger le fichier source, puisqu'à l'intérieur, on va retrouver effectivement l'image qui va nous servir à réaliser le canevas, un petit, euh, un petit pack de broches, un hein, effet de particules et puis une trame qu'on viendra euh, appliquer sur le visuel en dernier lieu. On va venir installer le filtre parti enfin, le, les broches particules dans le dossier. Donc euh, Photoshop, donc on vient ouvrir application, on vient ouvrir le dossier Photoshop, à l'intérieur, eh bien, on vient ouvrir le dossier Preset. Si vous êtes sous Windows, c'est exactement la même chose, vous ouvrez Photoshop, et à l'intérieur, vous allez euh, retrouver le, un dossier qui s'appelle Preset, on l'ouvre, on ouvre le dossier Brush, et puis soit on vient faire copier, coller à l'intérieur, soit on vient tout simplement glisser le, euh, les brushes à l'intérieur. Je ne le fais pas puisque moi c'est déjà installé. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir ouvrir Photoshop, comme ça les, les broches seront directement chargées lors de l'ouverture. On commence, on fait un clic droit sur notre image, ouvrir avec Photoshop et voilà c'est parfait. Nous allons commencer par détourer la jeune fille ainsi que ses cheveux afin d'extraire l'arrière-plan. Donc pour ce faire on va utiliser l'outil sélection rapide, donc raccourci clavier, W. Et on va venir lui spécifier à peu près une forme de 200. Euh, de donc la petite astuce pour changer euh, facilement la forme donc, du, du pinceau, on appuie sur les touches Ctrl et Alt et on bouge notre souris de gauche à droite ou de droite à gauche, soit pour augmenter le diamètre ou pour le diminuer. Si on bouge la souris de haut en bas ou de bas en haut, on vient jouer sur la dureté du pinceau. Donc ici, on peut lui appliquer à peu près une forme, un diamètre de, de 100, donc c'est très bien. Et on va venir tout sélectionner directement. Et maintenant, on va venir appuyer sur la touche Alt. Donc là, vous voyez en fait que par défaut, on a un petit plus au milieu du curseur qui nous permet donc de euh, sélectionner, d'ajouter de la sélection au clic sur l'image. Et si on appuie sur Alt, le petit moins apparaît pour enlever de la sélection. Donc c'est ce qu'on va faire. On va venir appuyer sur le Alt. Et on va venir eh bien, faire une sélection grossière dans un premier temps de la jeune fille. Si on mord, c'est pas bien grave. On va venir rattraper ça tout de suite. Voilà. Ici aussi. Alors on essaye de s'appliquer, de bien détourer les cheveux. Les petits cheveux euh, qui sont euh, bah, pas forcément faciles à extraire ici, c'est pas grave, on ne s'en occupe pas dans un premier temps, on viendra euh, améliorer le contour juste, juste après. Par contre, la petite mèche ici, on peut la prendre. Voilà. Et du coup, le reste de ces cheveux aussi, voilà, on va venir tout sélectionner, c'est parfait. Ici, on peut aussi enlever un peu de matière. OK. Donc une fois qu'on a une sélection à peu près bonne, voilà, on va venir cliquer sur Améliorer le contour. Donc le bouton Améliorer le contour, il, il est visible dès lors que vous avez un outil de sélection, comme ici l'outil baguette magique, l'outil de sélection rapide, le lasso, euh, l'outil euh, rectangle de sélection, etc. On vient cliquer sur améliorer le contour. On peut zoomer pour y voir un petit peu plus clair. Voilà. Et là, donc vous avez différents modes d'affichage. Donc vous pouvez naviguer hein, sur les différents types d'affichage en appuyant sur la touche F de votre clavier. Moi, j'ai tendance à rester sur le mode incrustation puisque effectivement, on voit assez bien le euh, l'arrière-plan. Et les cheveux qui sont encore euh, qu'on n'a pas encore extrait avec la sélection c'est pour ça que je préfère le mode incrustation on va venir cliquer enfin on va venir ajouter du rayon au niveau des détections des contours on va mettre un rayon à peu près on peut se mettre à entre 8 et 10 ça me paraît pas trop mal et vous voyez que si on clique sur afficher le rayon et eh bien ce contour apparaît sur euh, bah, au niveau de, du contour de, de la silhouette de la jeune fille. Donc là, pour l'instant, on peut le décocher. On peut venir prendre une forme un peu moins épaisse au niveau du pinceau. Donc par défaut, vous avez le pinceau qui est activé. Donc comme tout à l'heure, on appuie sur Ctrl et Alt. Et puis on vient lui spécifier à peu près une épaisseur de 50. Et là, l'idée, ça va être de repasser sur le euh, l'arrière-plan en fait qui, euh, qui détient en fait les petites euh, les petits cheveux vous voyez qu'on n'a pas réussi à extraire donc on vient repasser tout partout voilà donc on peut euh, lâcher la sélection de temps en temps et photoshop va calculer tout automatiquement il va savoir que le fond qui est vert n'est pas à extraire mais qui est le cheveu qui sont vraiment sur au niveau du fond bah le son donc voilà on n'hésite pas on donne des petits coups voilà et normalement je pense que ça va être bon ici on, on peut aussi peut-être un petit peu voilà donc on a à tout moment, on a la possibilité, ce que je vous disais d'afficher le contour ou de le masquer. Alors ici des fois on peut voir encore un petit peu de vert, donc on n'hésite pas à repasser avec le pinceau. Là, ça me paraît pas trop mal. Donc on va faire OK. Enfin, avant de faire OK, on va venir cliquer sur nouveau calque avec masque de fusion niveau de la sortie puisque vous allez voir que lorsqu'on va faire ok il va nous masquer l'arrière-plan il va nous créer un nouveau calque directement avec un masque de fusion donc c'est vraiment euh, génial donc là on l'a extrait euh, assez proprement donc maintenant on va pouvoir passer à la suite on peut venir créer un nouveau calque donc pour ajouter pour créer un nouveau calque soit on clique ici sur l'icône à côté de la petite corbeille soit on clique sur son clavier, donc on appuie sur les touches Command, Shift et N, soit dans le, directement dans le panel Nouveau calque. A vous de choisir. On vient l'appeler BG pour background et on vient le placer juste en dessous de l'arrière-plan. On va remplir ce calque de blanc. Donc là vous voyez qu'au niveau de la palette de couleurs, je suis en noir en premier plan et en blanc en arrière-plan. Pour intervertir cette palette de couleurs, on appuie sur X sur son clavier. Voilà, c'est une petite astuce qui est bon à, à savoir. On remplit tout ça de blanc. Donc soit on clique sur édition, remplir et on fait OK. Soit on appuie sur les touches de son clavier, Shift et Retour. Donc la touche retour se trouve au-dessus de la, la touche Entrée. Et on fait OK. On peut venir zoomer un petit peu. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir nettoyer un petit peu euh, la sélection. Donc vous avez vu que Photoshop nous a quand même pas trop mal déto dé, euh, détouré euh, tout ça. Sauf que bah, au niveau de certains endroits, il y a ce qu'on appelle un petit moirage. On va venir nettoyer ça tout de suite. Donc on va venir se placer sur le masque, non pas sur le calque, hein, mais bien sur le masque. Et on va venir sélectionner l'outil pinceau. Pour rappel, l'outil pinceau, sans raccourci clavier, c'est B. On peut prendre une forme à peu près de 100 pixels, ça me paraît très bien. L'opacité, on peut la baisser un petit peu, à 40, entre 40 et 50. Et on vient se mettre en noir au niveau de la palette de couleurs en premier plan. Et là, on va venir donner des petits coups pour nettoyer certaines zones. Donc on fait ça assez grossièrement. C'est pas très grave puisque tout à l'heure, on va venir styliser les cheveux avec une méthode très simple et qui, euh, bah, qui donne un, un résultat vraiment, euh, bah, vraiment sympathique. Voilà, donc on vient enlever hein, quelques, bah, tout le moirage que l'on retrouve au niveau de la silhouette des cheveux. Il n'y en a pas énorme, hein. là ça me paraît pas trop mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir transformer cette image en dessin. Donc vous allez voir que c'est très simple. Pour ce faire, on va venir dupliquer ce calque, donc le calque arrière-plan copie, qu'on peut renommer même en photo. On va venir le dupliquer. Pour dupliquer un calque, on appuie sur les, les touches CTRL J ou CMD J si on est sous Mac. Et puis, on va venir passer le, le calque photocopie en négatif. Pour passer un calque en négatif, on appuie sur Commande ou CTRL et I. Et voilà! Donc ça fait tout de suite quelque chose d'un peu bizarroïde, mais c'est tout à fait normal. Une fois qu'on a fait ça, on va venir créer un calque de réglage pour passer cette image en, euh, en saturation négative. Donc on va venir cliquer soit ici, soit dans le raccourci réglage, et on va venir cliquer sur teinte saturation. La saturation, on va venir la baisser à moins 100% pour avoir une image encore plus bizarroïde. Et on va venir se positionner maintenant sur le calque photocopie. On va venir lui appliquer un mode de fusion. On va lui appliquer densité linéaire moins. Donc là, l'image disparaît, sauf les cheveux. C'est tout à fait normal. On va venir récupérer de la matière maintenant en lui appliquant un filtre, donc un flou gaussien. On va venir cliquer sur filtre, sur flou et sur flou gaussien. Donc là, plus le rayon sera faible, plus vous aurez, on va dire, un, un mode crayonné assez, euh, assez palot. Et plus vous allez augmenter le rayon, bah plus vous voyez, on a un aspect un petit peu crayon, euh, crayon à papier fusain. Attention de ne pas trop non plus euh, comment, augmenter ce rayon, puisque là vous allez vous retrouver avec une image bah, en noir et blanc, un petit... Certes, un peu plus palote, mais on va retrouver le, bah, le grain de la photo. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver un peu du, le grain d'un effet de dessin. Donc, on peut se positionner à peu près euh, à 80, ça me paraît pas mal au niveau du rayon. On vient faire OK. Donc, là, on se retrouve avec une image qui est vraiment palote, mais euh, c'est vraiment pas grave puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer un nouveau calque de réglage. On va jouer maintenant sur les niveaux. Donc, pour ce faire, on va venir cliquer ici sur ajouter un calque de réglage et on va cliquer sur niveau. Ici dans les propriétés, on peut s'apercevoir que le noir, la flèche du noir est vraiment très très loin par rapport au graphique de l'image. Donc on va venir pousser les noirs, vous voyez, vraiment à partir on va dire du début de l'image. Donc là on va se retrouver avec une image un peu bizarroïde encore une fois, c'est normal, c'est pas grave. Les gris donc la flèche qui est grise ici correspond au gris de l'image, on peut la pousser aussi un petit peu. Et la flèche blanche correspond au blanc de l'image. On n'a pas besoin de la pousser, puisque euh, le blanc est déjà blanc en fait euh, sur euh, enfin, toute la peau et de, tous les reflets et tout sont déjà vraiment blancs presque à 100%. Donc on n'a pas besoin d'y toucher. On n'a pas besoin de faire OK puisque les réglages sont déjà pris en compte. Mais on va pouvoir maintenant. Se positionner sur le masque à chaque fois qu'on crée un calque de réglage, Photoshop nous crée un masque et là ça va nous être utile puisqu'on va pouvoir enlever certaines zones qui sont vraiment trop noires, comme par exemple sa bretelle, un petit peu des cheveux ici, et puis euh, elle a un œil ici euh, gauche un petit peu trop sombre donc on va venir prendre l'outil pinceau, on va pouvoir se prendre une forme un peu plus euh, importante. Donc, on n'oublie pas, CTRL-ALT, on augmente un petit peu le diamètre. L'opacité, on peut la baisser à peu près à 30%. Et on va venir repasser. Donc, on fait juste un clic hein, et on repasse. On peut même repasser un petit peu dans le fond. Vous voyez, ça s'éclaircit légèrement. Voilà, sur euh, le contour de la silhouette. Ici aussi, on peut même venir repasser un petit peu dans le fond. Euh, à gauche, à droite pardon de l'image au niveau de ses yeux ici on peut venir repasser aussi donc peut-être pas au niveau de sa de son oeil en, en lui-même mais au niveau donc de sa paupière on peut baisser un petit peu la forme et voilà, on peut donner un petit coup ici aussi ça me paraît peut-être un peu noir donc on peut baisser un petit peu l'opacité ici, on se mettre à 12 et voilà, donner un ou deux petits coups du coup peut-être aussi ici aussi au niveau de ces cils on n'hésite pas on baisse un peu l'opacité voilà pas l'opacité mais le, le diamètre, le diamètre pardon, de, de la forme et puis là ça bah, ça me paraît pas trop mal là c'est bien aussi de laisser un petit peu de noir dans les dans les cheveux à la racine ça apporte un petit peu de volume bah, à notre image on peut augmenter la forme et puis, euh, on peut enlever un petit peu de, de noir ici au niveau de la bretelle. Ici aussi. Au niveau de son médaillon aussi, aussi un petit peu. Voilà, là, ça me paraît pas mal. C'est bien puisque là, vous voyez, on garde un petit peu de, euh, bah de matière quand même au niveau de son visage. Au niveau du, du grain de peau. Si on avait eu vraiment un aspect tout blanc au niveau de ses joues et tout, ça aurait fait un peu bizarre. C'est pour ça que lors du passage en flou gaussien, hein, qu'on a appliqué sur le calque photocopie, bah c'est important de garder un petit peu de grain de peau, un petit peu d'ombre, euh, parce que forcément vous allez avoir beaucoup de, de zones blanches, donc de zones de lumière. C'est important de garder un peu de grain de peau pour donner cet aspect un petit peu fusain au dessin. Euh, donc maintenant, ce qu'on peut venir faire c'est euh, venir styliser les cheveux de la jeune fille. Alors vous allez voir, il y a un fil qui est vraiment sympa pour ça, qui marche très bien sur euh, bah, les sujets qui ont, qu ont des cheveux longs. Mais avant toute chose, on va venir fusionner tous les calques pour en créer un nouveau. Donc pour fusionner tous les calques et ne pas en fait perdre tout ce que l'on vient de, de faire en amont ici, on va venir se positionner sur le calque. Temps de saturation, on va venir appuyer sur les touches CTRL, ALT, SHIFT et E ou Commande, ALT, SHIFT et E si on est sous Mac. Et là, vous voyez, ça nous crée un bah, nouveau calque. Qui a, donc en fait, Photoshop nous a fusionné tous ces calques-là et euh, on a créé un nouveau calque ici. Donc on peut euh, soit le renommer ou le laisser en calque 1. Et ce euh, calque 1, on va venir le dupliquer. Alors je vous rappelle, pour dupliquer un calque, on appuie sur les touches com Commande ou Contrôle et J. Et là, on va venir se positionner sur Filtre. On va venir cliquer sur Peinture à l'huile. Alors là, au niveau de la stylisation, vous pouvez vous amuser, hein, mais là, on va venir tout pousser à fond. Au niveau de la netteté aussi, on va venir tout pousser à fond. De l'échelle, bah là, on va plutôt se positionner à peu près. Euh, on va se laisser à 0,80 pour l'instant. La grosseur, vous, vous mettez tout à fond. Direction aussi, tout à fond. Brillance, hein, vous pouvez vous laisser en 1,5 à peu près. Et là, vous voyez qu'au niveau de l'échelle, eh ben, regardez bien les cheveux. Là. Voilà, si on reste à peu près à 1, 1, 2 ça me paraît pas mal. Ou même si on baisse un petit peu, à 0,6, ça me paraît pas mal aussi. Donc en fait. Les cheveux ben, se dessinent naturellement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on va venir cliquer sur OK. Et voilà. Donc, là, regardez les cheveux. C'est vraiment quelque chose, je trouve, d'assez joli. Ça rend vraiment bien. Donc, bien sûr, ça a appliqué euh, à tout le document. c'est pas voulu. Hein. Enfin, là, c'est voulu. Mais euh, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tout de suite créer un masque qui, euh, qui sera rempli de noir. Donc, pour créer un masque rempli de noir, on vient cliquer sur la appuyer sur la touche Alt de son clavier et on vient cliquer ici sur l'icône masque. Voilà. Donc là forcément tout a disparu, c'est normal puisqu'on a créé un masque noir. Donc l'idée ça va devenir ça va devenir de, de se mettre en blanc en premier plan. Donc vous rap vous rappelez du petit raccourci, hein, clavier, on appuie sur X pour se remettre en blanc en premier plan. On peut venir utiliser une forme un peu plus grosse, hein. donc on appuie sur CTRL et Alt, on augmente un petit peu. Au niveau de l'opacité, on va venir se mettre à 100%. Et on va venir repasser uniquement sur les cheveux. Alors vous voyez, là, on commence à restyliser les cheveux. Et ça fait vraiment quelque chose d'assez sympa. On n'hésite pas à zoomer. Et en fait, au niveau du contour des cheveux, pareil, on n'hésite pas. On repasse. Donc on peut jouer aussi avec la forme du pinceau, la hein, mettre un petit peu plus petite. Surtout sur les euh, bah sur les contours des cheveux. Si on n'est pas content de ce qu'on a fait, on appuie sur X pour se remettre en noir et on vient gommer. Voilà, comme ceci à peu près. On repart, on appuie sur X. Voilà. Donc là, on essaye vraiment de repasser partout. Enfin, attention. À ne pas dépasser au niveau de la peau. Voilà. Parce qu'avec ce, cette technique, donc la technique de transformer une photo, on va dire, en dessin, bah les cheveux, c'est toujours un petit peu galère. Les cheveux, ils partent tout le temps en, en champ de bataille, on va dire. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Si vous, bah, si vous avez un sujet qui a des cheveux assez longs, ondulé en plus, à utiliser cette, euh, bah, ce petit euh, ce petit filtre peinture à l'huile voilà on continue on peut même venir dépasser des fois un petit peu sur la peau au niveau des racines vous voyez ça fait tout de suite beaucoup plus joli voilà bah ici aussi, hein. on n'hésite pas, on repasse. On peut laisser des fois des petits cheveux comme ça en bataille, hein. ça accentue le naturel de, euh, bah de l'image. Et puis, si vous voulez être vraiment précis, vous pouvez prendre une forme vraiment petite et donner des, bah des petits coups. Donc, Donc je vous ferez ça mieux que moi. Voilà, ici aussi. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les petits effets de moirage, on les a gommés. Mais du coup, bah, ce flou, on arrive quand même à le récupérer grâce, euh, grâce à ce filtre peinture à l'huile. Voilà, donc on n'hésite pas, on baisse la forme au niveau des oreilles. Hop, on peut baisser encore un petit peu plus pour donner des petits coups, enfin, donner un aspect de petits coups de cheveux qui tombe sur l'oreille. Voilà. On peut même lui rajouter des cheveux hein, si on veut. Tac. Donc là, à ma foi, hein, ça me paraît très bien ce qu'on vient de faire. Ok, donc je pense que je n'ai rien oublié. Non, ça me paraît bien. Donc là déjà, on, on a quand même un aspect de dessin. On pourrait s'arrêter là. Hein, pour donner euh, bah, certains euh, aspects graphiques euh, à, à une photo. C'est très bien. Hein. Je repasse un petit peu en blanc, parce que je n'étais pas très content de moi ici. <laughs> voilà. Et du coup, euh, une fois qu'on voilà, qu est à peu près comme ceci, eh bien, on va pouvoir passer à la suite. Alors maintenant, on va pouvoir venir renforcer un petit peu plus les, euh, les noirs et l'effet euh, dessin. Donc Pour ce faire, on va venir appliquer euh, un nouvel effet. On va venir se positionner sur le calque 1 et on va le dupliquer. On va appuyer sur Ctrl et J et on va le placer maintenant tout au-dessus. Donc là, l'effet euh, cheveux ondulés disparaît, c'est normal. On va venir cliquer sur Image, Réglages. Et on va venir cliquer sur seuil donc là l'idée c'est de bah, donner un petit peu plus donc de, de noir et puis accentuer cet effet vous voyez ça ressemble un petit peu à des, un effet grossier papier journal on peut se mettre à peu près à 170 et on fait ok donc là on peut même l'appeler effet seuil pour s'en rappeler on va venir comme tout à l'heure remplir ce calque Enfin, on va créer un masque pardon, sur ce calque qui sera rempli de noir. Donc pour ce faire, on appuie sur la touche Alt de son clavier et on clique sur l'icône ici pour créer un masque. Parfait, tout disparaît. Et comme tout à l'heure, on reprend le pinceau. On appuie sur Ctrl Alt, hein, on peut se donner une forme un peu plus épaisse. Au niveau de l'opacité, on peut se mettre à peu près à 30. Et on va venir repasser. Donc on va se mettre en blanc en premier plan. On appuie sur X. Et on va venir repasser sur les zones sombres de son visage pas partout hein, on donne des, des petits coups par endroit voilà. au niveau de l'ombre de son nez aussi par exemple de sa bouche aussi donc là ça fait quelque chose d'assez d'assez bizarre mais c'est pas grave voilà. on renforce ça au niveau des ombres, ici aussi, donc on va pas s'attaquer aux, euh, aux cheveux, on peut le faire juste sur les contours mais très légers hein, de, euh, de son visage. Voilà. Ici aussi. Ici aussi on peut donner des petits coups. Hein. Voilà. Et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez léger. Au niveau de son bras aussi. Voilà ça peut voilà, donner des, des petits coups de pinceau. Euh, un effet coup de pinceau. Voilà. Donc pour l'instant on va s'arrêter là au niveau du seuil. On va juste le passé en 40% au niveau de son opacité hein, pour regarder cet aspect hein, quand même un petit peu euh, crayonné fusain mais euh, que ce soit pas non plus trop trop prononcé maintenant on va venir jouer euh, sur les euh, sur les ombres et les lumières des cheveux un petit peu aussi sur le visage et le corps de la jeune fille pour accentuer un petit peu tout ça pour donner encore un peu plus de volume donc on va venir créer un nouveau calque alors je vous rappelle pour créer un nouveau calque on appuie sur Ctrl Shift et N ou Cmd Shift et N si on est sous Mac et là on va venir cliquer sur mode de fusion et on va venir cliquer sur lumière tamisée le fait de cliquer sur lumière tamisée si en bas ça nous met que la couleur neutre pour le mode lumière tamisée c'est 50% de gris donc on vient cliquer sur euh, la, on vient cocher la petite case et on vient cocher on vient cliquer sur OK. Donc en gros qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, si on remplit donc le, une partie du calque ou l'ensemble du calque d'un gris à 50%, eh bien cette couleur grise de 50% n'aura vraiment aucune influence dans la composition si le mode de fusion est en lumière tamisée. Parce qu'effectivement, si je reviens à normal, là vous voyez bien qu'un gris à 50% qui occupe tout l'écran. Et si je me remets en lumière tamisée, donc cette couleur là n'a vraiment aucune influence sur la composition. Et c'est grâce à cette petite technique qu'on va, pou qu va pouvoir venir booster les lumières et les ombres. À savoir ici, si on se met en noir en premier plan et qu'on prend un pinceau d'une épaisseur à peu près de, de 70-80. Voilà, en opacité, si on se met à peu près à 30, et qu'on repasse, regardez au niveau des contours du visage, là on vient booster les noirs, donc les ombres de notre image. Donc ça marche aussi bien sur bah, une vraie photo, hein, si vous voulez retoucher les, ou booster les ombres d'une image, vous pouvez faire ça. Donc par endroit, on peut venir baisser un peu le pinceau. Et par exemple au niveau de l'œil, vous voyez, on peut venir, peut-être pas au niveau de l'œil ici à droite, mais ici, donner peut-être un peu plus de coups. Voilà, au niveau de la paupière aussi. Au niveau du nez aussi, de l'ombre ici, on vient accentuer tout ça. Au niveau de la lèvre aussi, en bas, voilà, on peut venir accentuer. Voilà. Au niveau du cou, aussi, on peut donner des petits coups. Donc là on peut prendre une forme un peu plus importante. Voilà pour retrouver bah, cet aspect fusain. Je ne sais pas si vous avez fait du fusain, mais je peux vous dire que. Bah, on, a, on a vraiment cet aspect, on en a plein, en a plein les doigts déjà. Et puis on, bah, notre feuille n'est pas toujours vraiment très, euh, bah, très propre. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que des fois on n'hésite pas à redonner des petits coups de gomme pour, bah, pour donner des effets de lumière. Et je trouve que cette technique ben, ça se rapproche vraiment beaucoup du, euh, du fusain. Donc on n'hésite pas, on vient repasser un petit peu partout, autour des contours du coup de son visage, sur certains endroits hein, de, de son visage aussi. Voilà. Et on peut faire la même chose ici par exemple, vous voyez au niveau de ses cheveux là, histoire de donner un peu plus de profondeur. De sa poitrine aussi on peut. Voilà. Au niveau de son bras, ici aussi, voilà. Donc là, on, on s'est attaqué vraiment aux zones euh, sombres. D'ailleurs, regardez si je me mets en normal, là on voit tous les coups de pinceau. On se remet en lumière tamisée, on voit plus rien, on voit juste qu'on a boosté les ombres. Si on se met en blanc en premier plan, qu'on baisse un peu la forme du pinceau, regardez au niveau des cheveux. Donc là, on peut se mettre en opacité, peut-être 80-85. Là on vient booster certaines zones. Voilà. On peut repasser aussi des fois sur bah, du noir hein, qu'on a, qu a reboosté. C'est pas bien grave. Ou des fois, c'est peut-être un peu violent, alors on n'hésite pas, on baisse l'opacité. Et puis on donne des petits coups. Voilà. Bon, vous ferez ça mieux que moi. Hein. On n'hésite pas, hein. on peut appuyer sur X, remettre en noir. Et redonner des petits coups, hein, encore une fois, pour donner plus de volume à la compo. Ok. On va s'arrêter là. Donc si vous trouvez que c'est un petit peu trop violent, on peut baisser l'opacité. Mais avant toute chose, on va venir zoomer. On va se placer au niveau du blanc des yeux. On se met en blanc. On peut se mettre en opacité 75. Voilà. On prend une forme à peu près 13-15. Et on vient repasser juste dans le blanc des yeux. Là, on peut baisser l'opacité. Et dans les, la pupille et l'iris, on peut donner des petits coups aussi pour intensifier le regard. Donc là, pareil, on donne des petits coups. Et voilà, par endroit, aussi on donne des petits coups dans les yeux pour apporter un peu plus d'éclat. Vous voyez, si on allume et qu'on éteint le calque, ça fait tout de suite un peu mieux. Donc, au niveau de l'opacité, pourquoi pas, on peut se mettre à 75. Tac, à 75. Moi, ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Donc, maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est dupliquer, pas enfin, dupliquer, fusionner. Les calques que l'on a créé pour en créer un nouveau, comme tout à l'heure, on appuie sur CTRL ALT SHIFT et E ou commande ALT SHIFT et E, parfait. Et là, on va venir réappliquer exactement le même effet de dessin que l'on a créé tout à l'heure. Donc, on va redupliquer ce calque en faisant CTRL J, on va le passer en négatif et on va le passer en euh, densité linéaire ajout moins, comme tout à l'heure. On va venir récupérer en fait de la matière en cliquant sur Filtre, Flou, Flou gaussien. Et là, l'idée, bah, ça va être encore une fois de récupérer un peu plus euh, d'aspects crayonnés. Donc, on peut se mettre à peu près à 56, faire OK. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, on va cliquer sur les cales de réglage pour créer un nouveau cal de réglage teint de saturation. Euh, pas de, teint de saturation mais pardon niveau et pareil comme tout à l'heure les noirs on va venir booster un peu plus parfait une fois qu'on a cette étape là important on va venir encore une fois refusionner tout ce que l'on vient de faire en appuyant sur commande alt shift et e pour créer un nouveau calque du coup le calque de réglage niveau et le calque 3 ici copie on n'en a plus besoin on peut venir mettre tout ça à la poubelle et on va venir euh, faire un masque sur le calque 4 ici. On appuie sur masque, on appuie sur Alt pour le remplir de noir. On va se mettre en blanc au premier plan et on va venir récupérer un petit peu de matière encore. Donc on peut baisser l'opacité à peu près à 30. Vous voyez, on vient récupérer encore une fois un peu de matière. Attention aux zones qui sont trop trop noires aussi, à hein. pas trop euh, cliquer dessus. Voilà, donc là on peut venir pareil au niveau de son cou ici redonner des petits coups pour accentuer encore un peu plus la chose. Voilà. Par endroit aussi. Voilà, ici aussi. Donc on rebooste en même temps un peu la lumière. Ça va pas faire de mal. Voilà. Donc si on veut, on peut faire la même chose sur certains endroits au niveau des bras par exemple pour apporter un petit peu de lumière aussi à ses habits donc là moi je trouve qu'on est bien au niveau de la racine aussi ici on peut donner des petits coups oui si on allume qu'on éteint on rapporte un petit peu plus de matière un peu plus de lumière on peut le repasser à peu près à 50% ce calque. Ok. Maintenant on va venir re, euh, refusionner tous les calques pour en créer un nouveau. Commande Alt Shift et E et on va venir booster un petit peu tout ça avec Caméra Raw. Hein. Donc on va cliquer sur filtre Caméra Raw. Voilà donc on peut, on n'hésite pas à venir zoomer à peu près comme ça. Au niveau de l'exposition, je pense qu'on est pas mal. Le contraste, on peut peut-être un peu plus contraster encore, à peu près à plus 25. Les tons clairs, on peut peut-être les diminuer à moins entre moins à moins 45, c'est pas mal. Les tons foncés, on peut les augmenter un petit peu, à plus 30. Les blancs, on peut les descendre un petit peu à moins 50. Et les noirs, pourquoi pas les augmenter à peu près à plus 25, ça me paraît bien. La clarté, on peut l'augmenter à plus 10 aussi pour apporter un peu plus de détails. Et on vient faire OK. Donc là, on a déjà quelque chose de plus sympa. Vous voyez, on récupère un peu de matière en plus sur le visage. C'est pas plus mal. On aurait pu... Euh, on pourrait créer aussi un petit... Euh, un peu plus de, de lumière aussi au niveau du fond. Donc pour ce faire, on va venir créer un nouveau calque. On va prendre l'outil pinceau. Là, on peut, euh, par exemple, lui mettre une forme un peu plus grosse, hein, à peu près à 250. Au niveau de l'opacité, on peut augmenter un peu aussi. Et là, voilà, l'idée, c'est de donner des petits coups dans le fond. Des petits coups de pinceau. Voilà. Et on peut aussi donner des petits coups de pinceau. En noir, donc là on peut peut-être se mettre en plutôt en 20%. Bon, après, c'est un peu vous qui, qui voyez hein, au niveau de, bah, de l'effet que vous voulez donner dans le fond. On va poser euh, à noircir un peu les coins par exemple, les angles. Toc, ici aussi, hein. par exemple, là on n'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va euh, dupliquer ce calque. Donc, on va cliquer sur, on appuie sur les touches Commande J, et on va aller dans filtre, rendu, nuage. Donc là, ça nous crée une sorte de brouillard noir et blanc. Pourquoi Parce qu'on était en noir et blanc hein, sur ce qu'on a dupliqué. On appuie sur Alt pour en faire encore un masque noir, et puis là, on se met en blanc. Et on va redonner des petits coups dans le fond donc on garde l'opacité à 24 hein, pourquoi pas vous voyez on donne des petits coups un peu partout pour rappeler ben, cet aspect nuageux hein. voilà. donc on pourra venir gommer par endroit hein. par exemple ici vous voyez au niveau des cheveux c'est peut-être pas terrible Voilà, ça apporte quelque chose, un univers, on va dire, derrière. On peut venir aussi euh, par endroit aussi euh, sur elle. Hein. Hop. Ajouter un petit peu plus de matière. Là, bah, si on a, on a trop dépassé, on peut reprendre la gomme, par exemple. Lui mettre une forme un peu plus diffuse, un peu plus grosse. Et voilà, on revient par-dessus, comme ceci. Si on veut mettre un peu plus de noir, bah, pas de souci, hein. on reprend le pinceau. Et par endroit ici, on redonne des coups. On assombrit les angles. Donc on peut augmenter un peu l'opacité aussi. Hein. Oups, je me remets. Voilà. Ok. Bon après hein, c'est vraiment c'est vraiment vous qui voyez. Ok. Donc là on n'est pas trop trop mal. Ce qu'on peut venir faire, c'est euh, appliquer euh, encore un peu plus de on va dire d'ombre au, aux cheveux. Donc du coup on va recréer un nouveau cal, CTRL-SHIFT-N, qu'on remet en lumière tamisée, on reclique sur couleur neutre, on fait OK là on reprend le pinceau et puis là on vient repasser sur les cheveux donc là je vous rappelle là on est en 49% au niveau de, de l'opacité du pinceau donc, évitez de cliquer dans le fond voilà. On n'hésite pas à baisser la forme. À repasser bien par endroit. Parce que je trouvais les cheveux un petit peu pas low. Pour ça, on vient repasser tout ça. Au niveau de, de la lumière des cheveux, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Ce qui manquait un peu de volume, effectivement. Ok, bon je pense qu'on est bien là. On est pas mal. Ce qu'on peut venir faire, c'est appliquer euh, ici peut-être un peu plus de nuages. Là, c'est pas, pas top. Voilà. Et c'est maintenant appliquer la trame que vous allez retrouver dans le dossier source. On va faire clic droit, ouvrir avec Photoshop. On peut faire CTRL A ou CMD A pour tout sélectionner, CTRL ou Commande C pour copier. On se place vraiment au premier plan, là, donc au niveau du, euh, du calque 7, et on colle tout en faisant commande ou CTRL V. On peut venir jouer sur les modes de fusion, se mettre en lumière tamisée. Donc là, vous voyez que le fond, on a quand même cet aspect de trame qui euh, de toile, hein, qu'on qu qu peut retrouver, du coup, c'est pas mal. Mais on peut peut-être atténuer certaines zones. Alors, on va créer un masque. On va prendre du noir. On va prendre une opacité à peu près à 50. Et on va juste repasser sur les endroits de son visage. Voilà. Comme ceci. Là, ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal. Au niveau du... Euh, du noir ici, si vous trouvez que c'est trop noir, hein, vous pouvez jouer un petit peu aussi avec l'opacité, vous mettre à 70, et vous faites OK. Donc là on n'est pas trop mal, mais j'ai bien envie de récupérer un peu de matière encore ici au niveau de, de son visage. Donc on va se repositionner sur le calque photo, on va prendre le lasso, et on va venir faire une sélection grossière à peu près comme ceci. On va faire CTRL-C pour copier, on va se placer ici tout en haut et on va faire CMD V, CTRL-V pour coller. On va appliquer un nouveau calque de réglage, on va se mettre en teinte de saturation, on va baisser la saturation à moins 100 et on peut se placer entre les deux calques, appuyer sur Alt, vous voyez qu'il y a une petite flèche qui apparaît, on clique dessus pour appliquer la teinte à saturation uniquement à ce calque. Là on va venir charger les brushes qu'on a, euh, qu a installées tout à l'heure. Donc on prend le pinceau, on ouvre les formes, on clique sur le petit écrou et on vient euh, sélectionner particules et on clique sur ajouter. Je ne le fais pas puisqu'elles sont déjà moi dans, dans mes formes. Donc ici on va venir récupérer la dernière forme, la 1665. On peut baisser son épaisseur un petit peu. On peut se mettre à peu près à 460, c'est pas mal. Donc on se place sur le masque des teintes de saturation, on se met en noir en premier plan. Pardon, pas sur, le mas pas sur le masque de teint de saturation, mais on va créer un nouveau masque sur le calque neuf. Et puis, on va donner des petits coups. Donc, on peut se laisser en opacité 50%. Voilà, on donne des petits coups pour enlever de la matière. Et le fait, en fait, de prendre cette broche, bah vous voyez, on garde cet aspect un peu granuleux bah, qu'on retrouve, en fait, sur, euh, sur la peau. Ça peut être l'aspect de, des pores de la peau. Voilà, on, est, on évite de, bah de mordre un peu ici là, puisque c'est important cette matière. On peut baisser un peu l'opacité encore, repasser un peu dessus. Voilà. Et voilà, on essaye de récupérer quelque chose de correct. On n'hésite pas à baisser un petit peu la forme. Et on, on peut mettre l'opacité à, à 50 à peu près. Et puis on vient nettoyer un petit peu au niveau des, bah des yeux parce qu'il n'y a pas forcément besoin de matière ici, on avait de quoi faire. Voilà. Là, je pense qu'on n'est pas, qu pas trop mal. Tac, on peut rebaisser un peu l'opacité si on trouve qu'ici c'est un peu trop foncé. Voilà. On vient baisser tout ça. Donc là, on peut venir se mettre en mode de fusion. Euh, produit comme ceci et on peut venir baisser un peu l'opacité hein. on peut se mettre à peu près à, à 60 on regarde bah voilà on a quand même récupéré voyez un petit peu de matière c'est pas mal donc là ça me paraît bien maintenant j'ai bien envie de passer tout ça donc tout ce qu'on vient de faire un petit peu en sépia donc on se replace sur teint de saturation on appuie sur commandes alt shift et e ou contrôle alt shift et e pour refusionner en un calque. Et on va jouer avec Camera Row. Donc on clique sur Filtre Camera Raw. On va venir booster un petit peu la température. On peut la mettre à plus 10. L'exposition, on peut y toucher. Le contraste, on peut peut-être booster un peu plus, à plus 10 euh, à peu près. Les tons clairs, on peut les baisser un petit peu à moins 25. Les tons foncés, on peut les augmenter à plus 30. Les blancs, on peut les baisser peut-être un petit peu à moins 20. Et les noirs, les augmenter légèrement à plus 20. La clarté, on peut l'augmenter légèrement à 10. Afin de, euh, de garder un peu plus de. de donner un peu plus de détails. Quoique les noirs, on peut peut-être les, plutôt les baisser à moins 10. Et on fait OK. On valide. On regarde ce que ça donne. Donc là, bah, je trouve que c'est pas mal. On va pouvoir lisser un peu plus le visage. On crée un nouveau cal. Contrôle ou Commande Shift N. On se remet en lumière tamisée. On fait, on coche couleur neutre. On fait OK. On prend une forme diffuse. On se met à peu près, allez, à 40 en opacité. On se prend du blanc en premier plan. Et là, on va venir repasser. Donc on va pas repasser sur les yeux, on va repasser sur bah, son visage, sur la peau de son visage. Donc ça c'est une technique en fait euh, qui permet de lisser un petit peu euh, la peau euh, d'un sujet. En gardant toutes les aspérités de la, de la peau. Donc là on n'est pas on est pas mal. Comme ça. Ouais. On a éclairci un petit peu. On va faire la même chose. On fait X pour se mettre en noir. Là, on peut baisser un petit peu, hein, se mettre à 20. Et dans les parties vraiment sombres, on n'hésite pas à repasser dans l'œil. Au niveau du cou, par endroit. Sur le côté, ici aussi. Hein sur le contour en fait du, du visage on peut donner des petits coups ok donc là on n'est pas trop mal donc là on va peut-être pouvoir assombrir un petit peu plus euh, les joues de, de la jeune fille donc on va se mettre sur le calque 10 on va prendre ici l'outil densité plus on va jouer sur les tons clairs en exposition Oh, on peut se mettre à 35 à peu près. Et là, on va donner un petit coup. Donc on reste cliquer sur sa pommette. Et un deuxième petit coup par là. Aussi, au niveau du haut là, de son visage, on peut assombrir tout ça. Voilà, un petit peu par là. Une fois qu'on a fait ça, on va venir récupérer le calque photo. On va faire CTRL A, CTRL C ou command A, command C pour le copier. On se remet tout en haut au-dessus du calque 11 et on fait CTRL V ou commande V on va appuyer sur ALT et on va cliquer pour faire un masque et là on va venir prendre euh, bah, la broche euh, la 1665 ici on peut baisser un peu l'opacité on peut prendre le pinceau du coup ce sera mieux et prendre la forme 1665, excusez-moi et du coup, ben, on lui met un diamètre à peu près de 450. On se met en blanc. En opacité, on peut se mettre à peu près à 20. Et là, on va venir repasser à certains endroits. Vous voyez, pour apporter tout simplement la matière de la photo d'origine à la photo. Donc le fait de garder cette broche, ben, on garde le grain. Le grain de la peau. Voilà, par endroit, hein, on donne des petits coups, au niveau du cou, hein, on peut aussi, hein. voilà. Si vous voulez donner aussi par endroit au niveau des cheveux, vous pouvez. Et pour revenir en arrière, bah, on appuie sur X pour se remettre en noir, et on donne des petits coups, voilà, pour enlever tout simplement de la matière. Si bah, on trouve que euh, c'est un petit peu trop euh, foncé ici au niveau de, de ce qu'on a fait, bah, rien ne nous empêche de reprendre l'outil ici densité moins. On, re, on peut se remettre sur les tons moyens du coup. Et on peut redonner des petits coups. Si on voit que ça ne change pas euh, grand-chose, on peut se remettre sur les tons clairs et redonner des petits coups. Voilà. Vous voyez, on vient d'enlever un petit peu de, de moirage qu'on a créé tout à l'heure. Donc là, c'est pas mal. Pour l'instant, on reste comme ça au niveau du calque 12. On va créer un nouveau calque qu'on va mettre en noir. On va reprendre la forme, allez, la 1665. Et euh, là, on peut dézoomer un petit peu. Et puis, et puis, et puis, on va se mettre en exposition à 100%. Et on va se mettre... <laughs> du coup, on prend le pinceau. Voilà, et on donne des coups. On se met en opacité sans des coups de noir. Ici, un petit peu ici aussi. Pourquoi pas un petit peu en bas, comme ceci. Pour enlever un petit peu de bas d'effet à particules. Hein. On rappuie sur X, on peut baisser un petit peu la forme. Oups, on crée un masque. Et on regomme tout simplement par-dessus pour garder la matière. Donc, bien sûr, on va éviter de mettre euh, des particules sur le visage de la jeune fille. Mais on peut en garder euh, bah, par endroit. Par exemple. Voilà, comme ceci. Ici, comme ceci aussi. Hop. Voilà. Pourquoi pas recréer encore un calque et là reprendre une forme diffuse. Se mettre à peu près en 300 au niveau de la, de la forme. L'opacité, on peut se mettre à peu près à 38. Et là, on vient repasser en noir. On vient repasser les coins, les angles, par endroit sur l'image. Voilà. Si euh, bah, on a un petit peu trop mordu, bah, c'est pas bien grave. Hein. On peut recréer un masque, se remettre, bah, se laisser en noir. Hein. Au niveau de l'opacité, on peut rebaisser encore un petit peu. Vous voyez, hop Et voilà, récupérer un petit peu plus de lumière. Ici au niveau des grains, ben bah, pareil, hein. on peut se remettre... En blanc et on enlevait un petit peu hein, s'il y en a trop par endroit voilà comme ça vous voyez ça fait un petit un peu tacheté c'est pas c'est pas si euh, si moche que ça voilà au niveau du fond on peut faire bah, de l'autre côté euh, la même chose aussi hein, par endroit on jonque sur les deux calques avec la même forme et voilà. En bas, on peut aussi en enlever un petit peu hein, par endroit. Voilà. Si vous voulez augmenter l'opacité, vous pouvez aussi, de temps en temps. Ok. On peut recréer même un nouveau calque, reprendre bah, du coup les particules, hein, les 1665, baisser un petit peu. On va se mettre à 400 et quelques. Et là, reprendre bah, du, du sépia, euh, pas du sépia, du, du crème du document, de la créa, et donner quelques petits coups, vous voyez, par endroit, pour donner ces effets de peinture un petit peu. Donc on n'hésite pas, on augmente de temps en temps les formes, on peut même mettre des grosses formes. Voilà. Au niveau des cheveux, bah aussi. Alors on peut baisser l'opacité un peu plus. Voilà, on va mettre par là. Comme ça on a l'impression, une impression, euh, impression d'aquarelle aussi par, euh, par moment. On ne va pas non plus en mettre de trop, mais il faut jouer avec l'opacité, avec la taille de la forme. Voilà, donc là c'est pas mal. On peut en remettre un petit peu aussi en bas là, par endroit. Ça, on a l'impression qu'on mélange ben, la, la peinture. Et voilà. Au niveau du calque ici 12, on peut revenir se remettre en blanc. Et par endroits, bah voilà, on peut remettre un petit peu de la couleur, récupérer de la couleur de l'image originale. Tac. Un petit peu par ici, un petit peu par là. Au niveau du haut, là, c'est pas mal de la silhouette. Voilà. Donc là, moi, je trouve qu'on est vraiment pas mal. pour donner un petit peu aussi, là, au niveau de ses habits, hein, pour garder, euh, pour récupérer un peu cette, euh, cette couleur euh, marron. Et voilà. Donc là, on est vraiment... Euh, je trouve qu'on est bien. Le calque... Euh, vous voyez ce calque ici 15 avec euh, les effets de granules, de, fin, de particules crème. Là, on peut sélectionner une couleur un petit peu plus, euh, plus blanche et donner. Donc en opacité, on peut se mettre à 100, donner des petits coups au niveau de son visage, mais vraiment dans, dans les tons les plus clairs, on va dire, de son visage. Voilà, comme ça. Donc là on a l'impression, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'aquarelle, de gomme euh, bah, de gomme arabique. C'est-à-dire euh, sur une aquarelle. Euh, bah, des fois on, on fait un fond. Donc on fait un fond, je sais pas, d'une couleur je veux dire rouge. Et puis on donne des... Enfin euh, en amont, on place des petits bouts de gomme arabique avant de faire son fond rouge, un peu partout sur le document. Comme ça. On donne euh, un petit coup de, de couleur sur tout le fond, on badigeonne tout le fond, et on retire ces petits gouttes de gomme arabique après à la main pour donner ces effets de, de lumière. Et bien, on, peut, on fait un peu pareil. Euh, on fait un petit peu pareil avec euh, cette créa. Par endroit, voilà, on n'hésite pas. On ne va pas trop, euh, trop en faire non plus. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Donc on n'hésite pas. N'hésitez pas à jouer avec l'opacité de la forme. Avec la forme, avec l'opacité. Ça donne tout de suite des, des choses assez sympas. Là on peut refaire peut-être un masque. Et puis euh, regommer par endroits ici. Vous voyez, où j'ai mis un peu trop de blanc. Voilà. Et puis une fois qu'on est OK, bah rien ne nous empêche de refaire un petit CTRL, Alt, SHIFT et E pour refusionner tout ça. Et euh, par exemple... Cliquez sur filtre, correction de l'objectif, mettre un petit moirage, un vignettage qu'on appelle sur les coins de, de l'image. Regardez, donc là on clique sur l'onglet personnalisé et puis on va augmenter la vignette. On va la mettre à peu près à moins 55 et le milieu on peut l'augmenter un petit peu. Donc plus le milieu sera, on bougera le, cu le curseur vers la gauche, bah plus on diffusera cet effet. On va essayer d'éviter de, de le diffuser dans le visage juste en fait ok donc là on va plus se rendre compte vous voyez en bas là. Voilà. on aurait très bien pu le faire à, à la main en, en remettant un peu plus de noir par endroit sur les sur des calques qu'on a, qu a créé ici mais dans l'idée ben, ben voilà ça fait quelque chose d'assez sympathique et puis euh, ben ce qu'on peut venir faire en dernier lieu c'est reprendre le l'outil ici densité plus et donner des petits coups par endroit donc on peut cibler les tons moyens donner des petits coups si vous avez peur parce quaprès le fait de faire ça on peut pas revenir forcément sur, euh, sur ce qu'on a fait puisqu'on aura donné plein de coups de clic on peut refaire un dernière fois un, un nouveau masque le remettre en, euh, en lumière tamisée on coche couleur neutre on se met en noir en premier plan, donc là on peut prendre, euh, on peut garder la forme là, à la 1065, mettre une épaisseur à peu près de, de 400. On peut zoomer, ou baisser même un petit peu tout ça, hein, l'épaisseur de la forme, et donner des petits coups sur les endroits les plus, euh, bah, les plus foncés. Donc, vous voyez, là vu que je suis à 30% d'opacité, ça nous permet de euh, donner plusieurs coups de clic, donc là on vient rebooster un peu plus les zones sombres. Voilà. Par endroit. Hein. Au niveau de son cou. Bon, C'est de, de la patience, hein, mais euh, voilà, quand on fait un dessin, forcément, ça ne se fait pas comme ça non plus. Hein. On peut passer des jours dessus. Donc là, on n'hésite pas. Voilà. Et vu qu'on... On a boosté les noirs ben on peut euh, on n'hésite pas aussi à, à venir booster les blancs donc on peut se mettre en blanc en premier plan prendre une forme bah, diffuse là, on peut zoomer un peu plus baisser un peu la forme et là vous voyez donner un peu des coups de pinceau dans le blanc de l'œil et aussi par endroits dans dans les yeux pour faire ressortir un peu plus les éclats Hop, et un peu dans les yeux encore une fois. Voilà. Et bien on se retrouve quand même avec une euh, bonne illustration assez sympa. En dernier lieu, on peut peut-être venir jouer sur euh, la balance des couleurs aussi. Donc, créer un nouveau de réglage. On peut cliquer sur balance des couleurs. Et je ne sais pas, par exemple, baisser euh, un petit peu, enfin, augmenter un petit peu les bleus. Vous voyez, un petit peu les sciences aussi. Pour donner, je ne sais pas, une couleur euh, plus bah, dans, dans les tons bleus. Après, c'est vous qui voyez. Et vu qu'on a créé un nouveau calque de réglage, donc Photoshop nous a créé aussi un masque, rien ne nous empêche de reprendre notre forme fétiche hein, et de baisser un petit peu sa forme, de se remettre en noir, donc de baisser un peu l'opacité, par exemple à 30, et voilà, de repasser par endroit de dessus. Voilà, là on ne veut pas avoir forcément des, euh, des tons bleus. Donc on peut récupérer un petit peu de, de couleur dans, dans ses habits par exemple. Voilà, son médaillon on peut le laisser en bleu. Un peu dans ses cheveux aussi. Hein. Donc c'est pour ça, on peut, ba on peut venir baisser euh, la forme. Et voilà, toujours garder cette, euh, cette brush. Hop, et puis voilà, un petit peu au niveau de ses yeux au-dessus aussi. Hein. Si on peut venir récupérer par exemple, voilà. Donc, du coup, vous voyez, si on allume, on éteint, on peut facilement changer aussi l'aspect de, de notre image finale, la teinte. Et voilà. Donc, du coup, je vais m'arrêter là, puisqu'on pourra vraiment encore travailler dessus pendant des heures. J'espère que vous avez bah, apprécié ce tuto. Si vous avez des questions, il faudra pas hésiter à me les poser. Hein. Donc c'était un tuto un petit peu long, mais ça vaut le coup aussi de s'amuser de temps en temps. Et euh, bah voilà, je vous retrouve bah, très vite pour un prochain tuto. A bientôt